Yo, what's up, c'est ton gars Busy Boy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Poto. Une vidéo qui te rapportera un petit événement sur NBA 2K17, mon pote. Ok, NBA 2K17, parce que ouais, je sais que là, c'est un gameplay de NBA 2K16. Pourquoi ce gameplay, les gars? J'ai mis ce gameplay parce que voilà, c'est le tournoi 1v1 qu'on avait fait sur NBA 2K16. J'ai voulu vous montrer un petit peu comment ça se déroulait, comment il y avait du monde. L'événement, il était franchement magique. C'est un de mes plus beaux souvenirs sur NBA 2K16. Donc, je voulais exactement faire la même chose sur NBA 2K17 parce que voilà, le jeu commence à faner. Honnêtement, personnellement, moi, le jeu commence à me faner. Donc, j'ai voulu bouger un petit peu la communauté FR et faire un tournoi, tout simplement. Un tournoi 1v1, là où il y aura les meilleurs joueurs français. Il y aura du lourd dans ce putain de tournoi. Donc, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors pour commencer, je vais prendre 32 participants si possible. Ok, je ne sais pas certain. On va faire une sorte de Coupe du Monde. Il y aura des matchs de poule et ensuite il y aura des phases finales. Pour commencer déjà, j'ai déjà qualifié d'office des gars pour le tournoi. Donc c'est-à-dire Eni c'est le champion du tournoi 1v1 2K16. Donc Eni il est d'office qualifié, c'est normal. Donc après, nous avons dans la skills, il y a Eni qui est qualifié. Et ensuite il y a Magic the Dream. Ceux qui connaissent pas Magic the Dream, c'est SB No Way. Là je vous parle des gars de la skills qui participent au tournoi. Il y a SB No Way, il y a Swoop by Jojo. Jojo les gars c'est un skills. Je sais qu'il a son compte Swoop, mais c'est un skill. Il y a Swoop by Jojo et il y a SB MVP, le meilleur joueur du monde. Oh my God. SB MVP, a.k.a. Bakey. Donc les gars, ceux qui ne connaissent pas MVP, c'est Baker tout simplement. Ensuite, là, ces quatre gars-là sont déjà qualifiés pour le tournoi. Donc ils n'ont pas besoin parce que voilà, c'est des gars, ils ont déjà fait leur preuve. Ensuite, dans la swoop, j'ai pris aussi 3 gars dans la swoop. J'aurais pu prendre 4, mais Riyad ne peut pas jouer parce que voilà, il a pas sa PS4, c'est dommage. Ça aurait ramené encore plus de niveau. Dans la swoop, il y a Leaves, il y a Westbrook, il y a Fnatic. J'ai pas encore vu avec Young Sus. Je pense que je vais voir avec Young Sus pour qu'il participe. Après, il y a des gars que je vais prendre. Là, pour l'instant, ça, c'est les gars qui sont d'office qualifiés pour le tournoi 1v1. Okay, ils sont 7 pour l'instant. Donc, à partir de vendredi, les gars, à partir de vendredi, il y aura des sélections pour tous ceux qui veulent participer. Vous n'avez pas besoin d'être dans la soupe ou dans la SB. Tout le monde peut participer au tournoi. Venez juste, vous allez passer un test. Genre un test de sélection tout simplement. Ce sera dans mon gymnase et ce sera en live devant tout le monde. Donc ce sera un 1v1, moi j'aurai mon pivot et toi tu auras ton extérieur parce que c'est un tournoi extérieur, ok. C'est un tournoi que meneur. Vous pouvez venir avec votre meneur agresseur, votre meneur créateur de tir, c'est interdit parce que en fait juste il faut que vous puissiez speed boost. C'est ça la règle en fait. La seule règle c'est que vous puissiez speed boost. Ok. Donc vous pouvez speed boost avec votre agresseur, votre créateur de tir, votre tireur d'élite. À partir du moment où vous pouvez speed boost, c'est bon. Donc voilà. Ouais, les tests vont se passer dans mon gymnase. Ce sera à partir de vendredi, vers les coups de 18h. Donc ramenez votre meneur. Ce sera un 1v1. Moi avec mon pivot, toi avec ton extérieur. La seule règle c'est que tu me battes. Tu me bats, t'es qualifié. Les 32 premiers participants, enfin les 32 premiers gagnants. Tous ceux qui vont gagner contre moi, mais seront qualifiés pour le tournoi qui se déroulera à partir du 18 décembre. Donc c'est les vacances de Noël, pardon. Donc ouais, le tournoi il commence pendant les vacances de décembre. Donc je compte sur vous les gars. Vendredi, venez nombreux à partir de 18h, 18-19h au plus tard, on commence les tests de sélection pour le tournoi 1v1 qui se déroulera le 18 décembre. J'espère que c'est bien clair pour vous. On va bien s'éclater. Je compte sur vous les gars, donc lâchez des likes tout simplement dans cette vidéo. Partagez-la pour tous ceux qui ont besoin de faire un 1v1. J'espère que... j'ai pas encore vu avec les gars de la DAW8, j'espère qu'il y aura des gars de la DAW8 qui vont venir aussi comme ça. Ça fera un peu plus de compétition. Donc si c'est que toi, tu penses que tu es un des meilleurs joueurs FR, viens passer et prouve que tu es un meilleur. Tout simplement, tu es un putain de gros joueur. Le meilleur, honnêtement, le vainqueur ne gagne rien. Je tiens à préciser, le vainqueur ne gagne rien. Mais faut savoir que le vainqueur... il sera considéré comme un des meilleurs FR, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu veux quoi de plus, ma gueule? T'es considéré comme un des meilleurs, parce que dans ce tournoi, honnêtement, je vais pas vous mentir, on fait ça pour le fun. Moi, j'ai pas voulu poser quelque chose, je tiens à le préciser dans cette vidéo. J'ai pas voulu poser, quelque chose, genre, pour le vainqueur. Pourquoi? Parce que ça se trouve,
Oh, ça, c'est ce qui s'est passé dans le dernier tournoi. Ça se trouve, il y en a qui vont parler chinois. Tu vois ce que je veux dire? Je m'explique. Genre, ta match, tu vois qu'il y a 200 personnes qui vont te regarder. Tu vas dire, non, j'ai poney, comme je disais dans le live. Non, j'ai ce qu'ils font. Ouais, je peux pas parce que ma mère, elle a éteint la play. Je sais pas, j'ai plus de PS+. Genre, juste pour des bails comme ça, c'est pour ça que je préfère pas poser de l'oseille pour le vainqueur. Mais pour le tournoi DVD, parce qu'il y aura un tournoi DVD, si c'est que le tournoi 1v1 voilà, se déroule bien comme il faut. C'est sur le tournoi DVD que je ferai pendant les grandes vacances. Pour le vainqueur, il y aura une récompense, c'est sûr et certain. Donc voilà pour ce qui est du tournoi 1v1. Donc ouais, c'est tout pour moi les gars. J'espère que tu vas kiffer la fin du gameplay. Moi je te dis à la prochaine. Si c'est que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Lâche un like pour soutenir l'événement. Partage la vidéo pour tous ceux qui veulent participer au tournoi 1v1. Moi je te dis à la prochaine, ton boy Busyball. I'm out. Down in Henny Tim drum. Nigga saying how they smoke more. Hell nah, nigga, you a front. Rearing up in the mud. Don't give a fuck about my lungs. From the south side of the NY, I'm the hottest nigga in the hot box. 45 in the drop top, turn your North Face to a crop top. Take the weed, nigga, leave the money, nigga, leave him bloody like a mob mox. Hit the plug, Danny Phantom. Cop way more than you can handle. Young nigga flying off the handle. Burn the wax like a fucking candle. How much is it for a 3-point? How much is it for an old nigga? Drama we lock up and low, nigga. This Fonto I got from the stove, nigga. Zigzags and I move the Dutchess. I mix green crack with that lemon haze and it smell like mustard. And it ain't a party till we walk in and we bring the drugs in. I don't care if they was real sisters or distant cousins. A real nigga go smoke them both, put the dub in. Inhale, exhale, roll up, smoke it. 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 Now y'all can keep that ENJ, I got Hennessy in my cup. Bad bitch with a big butt, suck a dick till she hiccups. She got two kids and a boyfriend, and her baby daddy, he locked up. Another L for my victims, smoke a L for my niggas in the system. Motorola, I be flipping. Pussy nigga, who you dissing? Little nigga, who you kidding? Little niggas, man, they act hood. 100,000 if I rap good. My heart blacker than a backwood. Yeah, y'all know who you playing with. All my niggas on that gang shit. Ride around with that body, body that I don't think about it, get your plane hit.